Chérie, je suis vraiment sérieux à ce sujet. Hein? C'est très amusant, arrête. Nous chatons et parlons au téléphone depuis 4 semaines maintenant. Oui, chérie. Bien, si tu le dis. Mais j'ai vraiment besoin de te voir personnellement, c'est-à-dire te voir face à face. Pourquoi pas? Je meurs d'envie de te voir. Moi aussi également. Tu sais quoi? Je suis très impatiente que tu m'invites. Mais je viens de le faire. Alors je dis oui. Tu sais quoi? Je serai avec toi après demain. Cool. C'est certainement la meilleure nouvelle que j'ai attendue à IGC. J'ai hâte de te voir. Alors, on parle après. D'accord? D'accord, chérie. Bye. Bye. Mon Dieu. Ma soeur, tu parais amoureuse. Je suis sûre que c'est ce gars. Tais-toi. Sors d'ici. En quoi ça te concerne? Ok. Hein? Je m'occupe de mes affaires. Mais je sais que tu es amoureuse de ce gars. Peu importe. Oh, je suis patiente. Chérie. Allô, mon amour. Oui, chérie, nous sommes presque à côté. Alors, quelle est l'adresse de la maison? Oh, je suis désolée, la maison numéro 10. Ne t'en fais pas, tu me verras maintenant. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Je pense que c'est ce portail. Où? Je crois celui-ci. Où? Viens, on y va. Viens, on y va. J'ai oublié. Désolé. Tenez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu
Tu es sûr que nous sommes à la bonne adresse? Hein? Voici la maison. Je crois que c'est bien la maison. Tu en es sûr? Sûr de... C'est ici. Peu importe. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour. Salut Mandy. Bonjour. Et êtes-vous Monsieur Charles? Oui, mon amour. Je suis fier. Un chéri en os. Je vous en prie, prenez vos aises, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes la bienvenue. Chérie, pourquoi ne pas t'asseoir pour que je puisse vous offrir quelque chose? Comment viens-tu de m'appeler? Tu n'es plus ma chérie? N'ose plus utiliser ce mot envers moi. Seigneur. Mais pourquoi? Bébé. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas s'il y a un problème. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non! N'ose même pas! Gosh! Pourquoi tu assistes là? Qui t'a demandé de t'asseoir là? Lève-toi de ce misérable fauteuil! Sortons d'ici! Mais non! Sors! Mandy! Sortons d'ici! Arrête, sors. Mandy! Jésus! Sortons d'ici! Mais ma soeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ne peux-tu pas essayer d'être un peu gentil? Car tu ne plaises! Sortons d'ici! Mais ma soeur, pourquoi tu fais ça? Sortons d'ici! Ah. N'importe quoi! Écoutez, monsieur, peu importe comment on vous appelle, n'ose plus jamais m'appeler de ta misérable vie. Chérie? Mais quel est le problème? Parce que je ne sais même pas ce qui est... Qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Arrête ça! Je t'ai dit de ne plus appeler à ce numéro. Ma soeur, tu dois te calmer, s'il te plaît. Calme-toi juste. Allô? Dans quoi je me suis fourrée, oh Dieu. Attends, écoute-moi chérie. Je suis confiant en ce moment. Je ne sais même pas quoi dire, mais je t'en supplie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Juste dis-moi. Et je peux voir que tu ne veux pas m'écouter. N'est-ce pas? Alors,
Allô? Allô? Idiot, je vais te bloquer. Bloquer. Salut chérie! La fille la plus sexy de la ville. Oh, s'il te plaît. Viens, viens, s'il te plaît. J'ai hâte de t'écouter. Mes oreilles me démontrent. Je ne peux plus attendre. Ok, assieds-toi. Laisse-moi prendre notre chaise. D'accord. Mais... Viens, 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 viens. Ah! Pourquoi ton visage est ainsi? Il n'y a pas de problème. Écoute. Ne me dis pas que tu n'es pas allé voir ce gars-là, parce que mes oreilles me démangent. Pardon, oublie ce gars. Pourquoi? Hey, tu sais quoi, ce monde est plein de surprises. Le genre de choc que j'ai eu. Je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Liz, je ne savais pas que je chattais et sortais avec la mauvaise personne tout ce temps. Ah, mais le gars que je chérissais tant est assis sur une chaise roulante. Oh, mon Dieu! Veux-tu me tuer? Je souhaiterais te prendre comme une gamine, mais c'est la vérité. Et pour couronner le tout, le gars est pauvre. Et... Doucement chérie, doucement chérie. Soyons un peu clairs. C'est que ce gars est infirme ou il est pauvre. Bref, le gars est handicapé et incapable. Il est aussi pauvre, mais... Mais je crois que tu m'as dit que cet homme était élégant. En tout cas, il n'est pas mal. Mais Bibs, ce gars n'est pas le genre de gars avec qui j'aimerais avoir quelque chose. Non. Tu ne t'attends pas quand même à ce que je sorte avec un handicapé et en même temps pauvre. Va doucement. Chérie, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. N'a-t-il pas quelque chose de bien? Je veux dire quelque chose pour vous deux avec le gars dans le futur. Je t'ai entendu. Chérie, ce gars est stupide. À ce qui me concerne, il est stupide. Non, 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 Mandy, non. Aucun gars a un futur terrible. En effet, je me rappelle que tu m'as dit qu'il était journaliste ou autre chose. Je crois que tu peux encore faire quelque chose pour sa vie, si tu me le demandais. Et tu penses que je peux gaspiller mon temps pour ce gars? Hmm? C'est ce que tu penses? Qu'en est-il des filles qui sont prêtes à avoir des gars? Ne sont-elles pas mon genre de filles? Mandy, tu as tellement apprécié ce gars chez moi. Prends les choses calmement. Chérie, pardon, oublie ce côté. Parlons de quelque chose d'autre. Bref, allons à l'intérieur que je t'offre quelque chose. Mon Dieu. Viens, entre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu veux rester assise là? Non. On parle des vrais gars, toi tu me parles de... Allons-y, ça va, ça va. Everything nice, everything so cool, girl, see. You're my boo, you know that's true. Luana, see. Me, I fight for you. Allô? Allô? Charles Daniel à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est Yves. Eve? Je n'arrive pas à me rappeler d'avoir affaire avec une quelconque Eve. S'il vous plaît, pouvez-vous être plus explicite? Oh, c'est la sœur de Mandy. Nous étions chez toi l'autre fois. Oh!
Dieu merci, enfin une d'entre vous a appelé. Comment va Mandy? Elle ne sait pas que je vous ai appelé. Je ne vous appelle pas moi-même. Je vais juste m'excuser pour son comportement et la façon dont elle vous a traité l'autre jour. Je me sens si mal. S'il vous plaît, pardonnez-la. Non, ça va. Il n'y a pas besoin d'excuses. Bien, je suis juste, tu sais, inquiet de ce qui se passe, de ce que j'ai pu faire pour la mettre en colère. Eve, tu es sa sœur et je crois qu'elle peut t'avoir dit ce que j'ai fait. S'il te plaît, peux-tu me révéler cela afin que je ne le fasse plus? Vous saviez, il est très difficile de traiter avec ma sœur. Mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra et vous pourrez continuer votre amour. Je souhaite qu'elle puisse venir assez vite. Je meurs d'envie de l'attendre. Je vais vraiment attendre sa voix à nouveau. Ça va. Essayez de calmer votre esprit, d'accord? Elle va revenir. Mais bon, maintenant, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Elle est encore très en colère. Pas de problème. Mais puis-je au moins appeler ton numéro à sa place? Je ne suis pas sûre. Je dois partir maintenant. Bye. Et à qui es-tu en train de parler au téléphone? C'est mon ami. Allô? Allô? Petite amie? Non. Mais pourquoi tu agis ainsi comme si tu n'avais pas un? Je n'ai pas de petite amie. Oui. Qui? Oh, Monsieur Charles. Comment est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce que vous appelez? J'ai appelé parce que je n'ai pas eu aucune nouvelle de toi pendant tout ce temps. Une quelconque nouvelle de ta sœur? Non, pas vraiment. S'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Dois-je l'appeler à nouveau? Non, ne le faites pas. Je connais ma sœur. Elle ne va pas aimer vous parler. C'est bon. Mais je pensais que je peux... Écoutez, Monsieur Charles. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Je ne veux pas que ma sœur trouve des raisons pour me détester. D'accord, pardon, je suis désolée, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous aider. Je vous souhaite le meilleur en amour. Bye. Avoir demandé de ne plus m'appeler. S'il vous plaît, vous deviez arrêter. Je ne veux pas avoir de problème avec ma soeur. S'il vous plaît. Je te promets, tu n'auras pas de problème avec ta soeur. Je ne peux pas m'empêcher de t'appeler. Je suis seul ici, il n'y a personne à qui parler. Personne avec qui partager mes peines et mes joies. Ta soeur m'a juste abandonné sans une raison valable. Non, s'il te plaît, je t'en supplie, attends. Faut pas raccrocher pour le moment. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Quelle faveur?
S'il te plaît, peux-tu venir à la maison? Je veux qu'on discute. C'est pas possible, monsieur Charles. C'est pas possible. Oubliez ça. Ce n'est pas possible. Arrêtez de m'appeler, je vous en prie. S'il vous plaît. Oh. Mon Dieu. Oh. Seigneur. Téléphone est en train de sonner. Ma soeur, bienvenue. Merci. Décroche. Oh. D'accord. Je le ferai. Je vais essayer. J'ai compris. Ok. Bye. D'accord. Et qui c'était? Non, ma collègue. Elle aimerait que je fasse quelque chose pour elle. Rien de sérieux. Ok, tu dois aller au marché parce que nous devons cuisiner. D'accord, maintenant. Ne me fais pas attendre. Non, Oh, monsieur Charles, vous voulez me mettre dans les problèmes? Tu es la bienvenue. Merci. À vrai dire, je ne pensais pas que tu allais venir. Mais je vous ai dit que j'allais venir. Et je suis là. Bien. Tu l'as dit, mais... Je n'ai pas cru. D'accord. De quoi voulez-vous qu'on discute? Pourquoi ne pas s'asseoir d'abord? Ok, merci. Alors, qu'est-ce que je t'offre? Oh non, ça va. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Ne vous dérangez pas. Ok, si tu le dis. Alors, comment va ta sœur? Elle va bien, mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'elle sache que je suis venue ici. Qui va lui dire? Toi? Non. Elle n'attendra pas ça de moi non plus. Après tout, elle ne prend même plus mes appels. Oh. Ta sœur, elle semble être très difficile. Mais je vous ai dit, elle est difficile. Je vis avec elle, donc je suis habituée à ça. Je suis intéressée à savoir ce qui était mon infraction l'autre jour. Elle ne me l'a pas dit, je ne sais pas. Es-tu sérieuse? Oui, elle ne m'a rien dit, elle ne veut pas parler de ça. Donc je ne sais pas. Ok. Tu sais, j'ai appris dans le courant de penser que une relation est basée sur l'amour. Vous avez Ensuite, raison. Ensuite viennent les autres choses. Oui. Si je suis dans un fauteuil roulant aujourd'hui, ça ne signifie pas que je suis déformé. Les médecins ont confirmé après analyse que je suis apte à me mettre debout à nouveau. Là encore, je ne pense pas que je serai la charge de quelqu'un. Parce que j'ai mon article que je rédige au magazine Skims. Ce qui me permet de manger. Donc vous voulez dire que c'est vous qui avez écrit ça? Oui, je rédige pour Skims. J'ai une colonne appelée les grandes lignes de Charles. Donc, c'est vous l'enfant schéma? Charles le schéma. Eh oui. Le fond des petits. Exactement. Oh Seigneur, j'aime ces histoires. À tel point où chaque semaine, je m'assure de les acheter. Mmh. Wow. Charles de schéma. Mais voici. Voilà des copies gratuites là-bas. Tu peux en chercher pour toi. D'accord, merci. Je suis sûre que je vais aimer. C'est Charles et schéma. Je n'arrive pas à le croire. Je n'ai pas de copies. Je vais les amener à la maison. Bien, si tu le veux. Merci beaucoup. Ah. Oh mon Dieu. Oh, qui peut-il m'appeler à cette heure-ci?
Allô? Chérie, tu es toujours éveillée? Oui, bien sûr. Vous allez me tuer avec ces histoires. Je suis étonnée de la qualité de l'histoire. Bien, je pense que c'est un cadeau de Dieu. Je peux le voir. C'est vraiment merveilleux. Les histoires sont vraiment fantastiques. Tu me flattes beaucoup. Je ne vous flatte pas. Je le pense vraiment. Je suis sérieuse. Merci pour tes mots. Il n'y a pas de quoi. En passant, pourquoi êtes-vous encore réveillée? Mais non, je suis... Je suis ici occupée à faire un remue-ménage sur... le prochain bel article à écrire pour que les gens comme toi puissent être heureux pour le reste de leur vie. Oh. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas idée du nombre de personnes à qui vous mettez le sourire sur le visage chaque semaine. Ah. Merci. F. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Oui, allez-y. Pourrais-tu venir à la maison pour m'aider à ranger les meubles dans la chambre? S'il te plaît. Oh, je croyais que nous étions d'accord que je ne vienne plus chez vous. Je sais que nous sommes d'accord, mais à quoi servent les amis? Je sais, mais... Ok, vous saviez quoi? Je vais venir. Mais ça serait la dernière fois, s'il vous plaît, ne me demandez plus. Oui. Faites-moi une faveur. Oui, vas-y. J'aimerais que vous vous couchiez maintenant et que vous vous reposez bien, ok? Je ne voudrais pas que vous vous épuisiez, d'accord? D'accord, si tu le dis. Il n'y a pas de quoi, je vous appelle demain. Passe une bonne nuit. Bye, bonne nuit. Je continue cette histoire intéressante. J'ai tout nettoyé. Oh, c'était rapide. Oui, alors, quelle histoire êtes-vous en train d'écrire? Tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir. Oh, je ne veux plus savoir. Je veux être la première personne à la lire. D'accord, ça marche. Eve, j'ai très faim. Et je ne suis pas sûr qu'il y a des condiments dans la cuisine. Cela te dérange-t-il d'aller au marché pour m'en en procurer? C'est d'accord, je peux toujours y aller au marché. Il y a du temps. Alors, que voulez-vous que je prépare? Oui, ça ne me dérange pas. Si tu me prépares bah, une bonne soupe. D'accord. Oui, ok. Ok. Voici. Ok. 8500. Oui, c'est ce que j'ai. Cela peut faire à peine un petit repas maintenant. S'il te plaît, gère ça avec moi. Je n'ai pas d'autre argent sur moi ici. En outre, je n'ai même pas d'argent à te donner pour le transport. Ça doit être difficile, mais je pense juste que je vais faire la sauce aux feuilles. Sauce gombo. Je pense que je dois juste acheter du poisson, mais pas de la viande. Vous aviez même 200 pour que j'essaie d'acheter. Vous saviez quoi? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je peux gérer. Il faut que je me dépêche pour ne pas être en retard. Je reviens. Ok. Laissez-moi mettre ça ici. J'y arrive. Waouh. Eve. Waouh, bonjour. Quelle agréable surprise. Oui, vraiment.
Alors que me vaut cette visite? Je suis venue vous aider à faire la lessive et la vaisselle. Ne vous dérangez pas. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Ok. C'est vraiment fascinant. Eve, calme-toi. Eve, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas que tu étais là. Eve, Eve, s'il te plaît, ne t'en va pas. Eve. 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 Eve, ne t'en va pas. Eve. Eve, ne t'en va pas. D'où viens-tu à cette heure de la nuit? J'étais rendre visite à des amis. Et tu rentres à l'heure-ci? Mais il est juste 19h. Et alors? Ah! Qu'est-ce qui arrive à ta joue? Hein? Oh,
ce n'est rien. Ça veut dire quoi que ce n'est rien? Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à ta face? Hein? Quand je me suis cogné la figure au mur. Reviens ici, avant que je ne te tape. Je suis en train de te parler, tu veux partir? Qu'est-ce qui arrive à ta face? C'est une petite chose. Je vais bien. Juste comme ça. Je sais que tu m'as menti. Quand tu m'as dit que tu as cogné ta face contre le mur, comment as-tu pu? Comment as-tu pu? Mon Dieu, je suis ta grande sœur. Je suis comme ton parent dans cette ville. Hein? Tu sais quoi, je peux voir que tu as grandi maintenant. Et tu veux maintenant gérer tes affaires. Alors je voudrais que tu en bats tes affaires. À la première heure à ton réveil, tu quittes ma maison. Tante, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne veux pas retenir la main. Qui t'a fait ça? C'est un homme qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Qui est cet homme? Je t'ai posé la question, qui est cet homme? Monsieur Charles. Je ne comprends pas. Charles, Charles, de quel Charles parlons-nous ici? Hein? Charles que tu connais. Oh mon Dieu, mon Dieu, n'ose plus prononcer le nom de cet homme. Cet homme est maudit. Tu veux dire que c'est cet homme handicapé qui t'a fait ça? En fait, qu'est-ce que tu faisais dans sa maison? Hein? En fait, qu'est-ce que tu es allé faire chez lui? Oh mon Dieu! Alors tu as eu le culot d'aller chez cet homme? Dieu seul sait, ce pauvre minable, ça mon consentement? Hein? Comment as-tu pu? Reste que tu me chiffles aussi. Je suis partie chez lui juste pour l'aider. Tu sais qu'il est nécessité. Faible mon œil. Mon Dieu! Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. J'ai honte de moi. Tu sais quoi? La prochaine fois que ceci se reproduit, tu seras abandonné à ton sort. Pardon. Je suis vraiment désolée. C'est quoi cette honte? Honte à tes actes. Regarde-toi. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu m'as trop déçue. Alors ma petite sœur a le culot, l'audace. Elle a eu le culot d'aller dans la maison de cet handicapé. Et il s'est permis de la battre comme ça. Mon Dieu! Jésus! Chérie, je t'ai demandé de prendre les choses calmement. Je ne vais pas. Lise, pourquoi devrais-je? Hein? Je vais me rassurer que ce gars dorme en prison pour l'avoir tapé de cette manière. Il fallait regarder sa face. N'entre pas comme ça dans cette affaire. En fait, tu ne sais même pas ce qui se passe entre eux. Ha, en fait, ta sœur n'est plus une enfant. Mais elle n'a pas le droit de la frapper. Bref, je sais quoi faire. Je pense que tu dois blâmer ta petite sœur et non cet homme. En plus, c'est elle qui allait en premier là-bas.
Il ne l'a pas forcé. Hmm? La fille sexy de la ville. La fille la plus sucrée de la ville. Rino. Je ne suis pas contente avec tout ce qui vient de se passer. Tu veux qu'on sorte? Notre endroit préféré, Na. Pardon, excuse-moi, je ne suis même pas du même. Chérie, s'il te plaît, je suis désolé de tout ce que j'ai fait. C'était une grave erreur, s'il te plaît. Eve, je regrette mes actions. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Pardonne-moi de tout ton cœur. Je vois la blessure. S'il te plaît. Ok. Permets-moi de te donner de l'argent pour que tu puisses aller à la pharmacie, chercher certains médicaments et du méthylatum afin que je puisse t'aider à l'amasser. Juste une minute. Je fais bien maintenant. M'as-tu totalement pardonné? Oui, je l'ai fait. Mais ma soeur au courant de tout ça, elle était vraiment collée contre moi. Elle m'a menacé de me chasser si je ne lui disais pas qu'il m'a frappé. Et elle a aussi menacé d'appeler la police pour t'arrêter si à jamais je posais mes yeux sur toi. Je regrette mes actions. C'était une grave erreur. Je te promets, ça ne se répéterait jamais. Ça va,
Ne te dérange pas. Alors, as-tu mangé? Tu sais, j'ai été tellement inquiet. Comme tu ne prends pas mes appels, j'ai oublié de manger. C'est bon. Alors, je vais te faire quelque chose à manger maintenant, ok? D'accord. D'accord. Merci. C'était comme ça, j'ai subi cet accident et je me suis retrouvé dans ce fauteuil roulant. Je suis désolée. Alors, qu'est-il arrivé à la personne qui vous a cogné? Il m'a cogné, il s'est enfui. Personne ne l'a jamais vu jusqu'à ce jour. Sinon, si ce n'est pas grâce à l'aide de certaines bonnes personnes qui m'ont amené à l'hôpital, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Tu pleures? Non. C'est une histoire pathétique. Je pense que je n'aurais pas dû te dire ça. Non. C'est bon de m'avoir dit ce qui s'est passé. Mais ne vous inquiétez pas. Vous marcherez encore. D'accord? Tu penses? J'ai la foi. Crois juste en Dieu. Crois seulement en Dieu. Il le fera, d'accord? Eve? Oui. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Quelle faveur? Puis-je utiliser ton téléphone pour quelque chose? C'est vraiment difficile. Que veux-tu faire avec ça? Bien, j'ai une date limite pour soumettre mon article pour l'apparition de la semaine prochaine. Mais mon téléphone et mon ordinateur sont en bas et ne pourraient pas être réparés avant 2 semaines. Le problème est que si je ne soumets pas cet article, je ne pourrai pas toucher mon salaire. Mais c'est vous savez qu'il faut que j'y en soumette pas. Tous mes documents sont en ligne de et j'ai une enquête en vous cette semaine. Et s'il te plaît, comprends-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends. Mais le problème maintenant, c'est comment puis-je avoir mon agent. L'agent qui vous doit comment arriver. Non. Même celui que je devais avoir de cet article, je ne sais pas comment puis-je obtenir cet argent. Tu sais quoi? Tu peux prendre mon téléphone, ok? Je vais me débrouiller autrement. En es-tu sûr? Tu dis que tu peux l'avoir? Oui, je vais me débrouiller autrement. Oui, vas-y. Utilise-le. Ah, merci. Bonsoir, grande sœur. Bonsoir. Je prends votre téléphone. J'ai envie de regarder quelque chose. Le mien est complètement éteint. Oh, mon téléphone n'est pas ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? L'as-tu perdu? Non. Je l'ai donné à un ami. Oui. Un ami. Un ami? Ok. Hans, tu ne connais pas la personne. Eve,
Je te connais très bien. Tu ne t'attends pas à ce que je vais te croire, mais disant que tu as donné à un ami ton téléphone. Hein? De quel ami parle-t-il? Quand je te l'ai déjà dit, tu ne connais pas la personne. Comment as-tu pensé? D'où tu as donné ton profil à cet handicapé? Ce fou! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu! Tu es devenu malade? Tu as perdu la tête? Hein? Tu es toujours en train de voir le même homme que je t'ai dédié. Ok. Je suis maintenant convaincue que tu es malade. Et je veux me rassurer d'arrêter cet homme en disant que ça me rassure. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Il n'y est pour rien. Il est innocent. Je lui ai donné le téléphone. Je pense que tu me connais assez bien. Ça, c'est exactement ce que je veux dire. S'il te plaît, compte. Je ne les laisserai pas tranquilles. Écoute, je suis comme une mère pour ma petite soeur. Je ne vais pas m'asseoir avec mes deux yeux. Il a laissé aller chercher ton handicapé, ce gars de soi. Quand tu ne plaises, mais elle te dit qu'elle l'aimait tellement. Pourquoi t'obstines-tu à les arrêter? C'est quoi ce genre de stupide amour? Hein? Comment est-ce qu'elle peut aimer cette créature? Hein? Écoute, même si ce sont les remèdes qu'il utilise sur elle, ça ne va pas marcher. Parce que le commandant du quartier va tellement le battre qu'il va confesser tout ce qu'il a fait. Tu paries, je te l'ai dit sur le nom. Pardon, je n'ai pas besoin de poser au sujet de ces bêtises. J'ai beaucoup de choses à faire avant d'aller. D'accord. On se voit après. D'accord, on se voit. Calme-toi, d'accord? Prends ça calmement, d'accord? Dieu. Eve, je ne peux pas croire.
tu viennes de sortir une telle de ta bouche. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je peux maîtriser ta soeur, je peux maîtriser Mandy. C'est pour ça que je vais rester loin de toi. Tu ne m'aimes pas. Ce que tu fais, c'est d'avoir pitié de moi. Je ne peux pas comprendre. Elle l'a déjà fait. Le gars n'a pas suivi qu'elle a attendu. Il savait pas comment t'as trouvé au village. Deux ans plus tard, il est mort. Charles, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? S'il te plaît, parle-moi. Dois-je t'amener à l'hôpital? Parle-moi, Charles, s'il te plaît, je t'en supplie. Mon estomac. Tu as mal? Mon estomac me fait mal. Tu veux dire que tu n'as rien mangé depuis le matin? Non, j'ai pas mangé. Tu sais quoi, laisse-moi aller te chercher quelque chose à manger, s'il te plaît. Je reviens. Bébé, 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 s'il te plaît, viens. Qu'est-ce que tu veux me donner? Je veux juste aller te chercher quelque chose à manger. Et après, je t'amènerai à l'hôpital. Non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Sentir sûr. T'inquiète pas, je possède un peu d'argent. Ma soeur m'a donné un peu d'argent pour acheter des provisions pour la maison. Mais la vie est plus importante. Mais ne penses-tu pas que mais t'inquiète pas pour cela. Laisse-moi prendre soin de toi. Pourquoi tu remets? Je vais bien. Que veux-tu dire par là? Je voulais mais... juste que tu viennes. Mmh.
Tu veux dire que tu faisais juste semblant? Oui. Tu m'as beaucoup, beaucoup manqué. Et je ne peux plus passer un jour de plus sans t'avoir à mes côtés. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée d'être restée pour toi. Tu m'as tellement manqué. D'accord, chérie. J'arrive. D'accord, chérie. Attention. Vas-y doucement. Chez un ami. Où exactement? C'est chez un ami. Thank you.
qui est là. Papa, comment tu vas? Bien, monsieur. Qui êtes-vous? Vous cherchez quelqu'un? C'est moi. Ouvre le portail. John. Monsieur, c'est vous? Oui, c'est moi. John, ne te dérange pas, ok? Je vais descendre ici. Oh. Attends. René, voici votre âge. Regarde mon argent, c'est juste 1500. Oui, on m'a gagné l'amour. Je vois tout. Oui, tout. Merci. Ça va. Tu m'as expliqué ce qui se passe là? Tout va bien. Mais je vais expliquer, ok? Et je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ça va. Je vais pas commencer à t'expliquer. Je vais essayer d'avoir une idée. Je t'explique tout. De manière parfaite. Je vais bien. Ça va, ça va. John? Monsieur? Prends ceci. Allons à l'intérieur. Tu marches, Paul. Je vais t'expliquer tout une fois à l'intérieur. Allons-y, allons-y. Jésus. Marie! Monsieur, bienvenue, monsieur. Marie, comment vas-tu? Ok, peux-tu faire un repas? Prends un léger pour deux personnes, s'il te plaît. D'accord, monsieur, je le fais. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Est-ce que j'ai perdu la tête? Détends-toi. Non, ne demande pas de me détendre. C'est ma maison. Notre maison. Ta maison? Dis-moi comment. Eh bien, disons, je ne suis pas celui que je t'ai fait croire que je suis. Je m'appelle Charles Otomar Daniel, fils de... Chef Otomar, le propriétaire de City Bar et du magasin Antro, l'entreprise de fer. Oh mon Dieu, mais c'est incroyable, mais comment est-ce possible? Bébé, c'est quoi le problème? N'as-tu pas faim? Je n'ai pas faim. J'ai perdu l'appétit. J'ai besoin d'explications maintenant. Je suis vraiment très très confuse. J'ai l'impression de rêver. Ok. Je vais tout te dire. Je suis né dans une famille riche et influente. La vie a été toujours rose pour moi. Je n'ai jamais connu la souffrance, ni rien manqué tous les jours de ma vie. Quand je dis je n'ai rien manqué, je veux dire y compris les femmes. J'ai rencontré les riches, j'ai rencontré la reine des reines. J'ai rencontré des belles, des femmes lucieuses. Mais je n'ai jamais connu le vrai amour et le bonheur. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste mon nom. Et
ce qu'elles avaient l'intention de dire de ma plante. Toutes ces femmes avec qui j'ai eu affaire au même moment, des relations avec d'autres hommes, et ces hommes étaient soit mes relations ou mes collègues du travail. Et cela m'a laissé une triste leçon. C'est de là que l'idée m'est venue d'aller louer ce petit appartement peu attrayant afin de pouvoir cacher ma vraie identité. Je devais agir de manière inhabituelle pour obtenir les résultats dont j'avais besoin. Je voulais que ma femme m'aime pour qui je suis et pour pouvoir bien m'attirer. Afin d'arriver à cela, j'ai décidé que je vais la confronter avec une série de tests. Juste pour être sûr qu'elle est celle qui est faite. Tu veux dire que j'étais soumise au test? Oui. Et tu m'as prouvé que tu es la femme qui est faite pour moi. Tu as non seulement réussi au test, tu as remporté aussi le trophée. Tu as toutes les qualités dont j'ai besoin chez une femme. Tu m'as défié avec ton habileté, ton attachement à la vie, ta convivialité et surtout ton sacrifice pour l'amour. Je me demande quoi de plus un homme cherchera. Tu n'es pas seulement la femme de mes rêves. Tu es une femme que chaque homme se battrait pour avoir. Raison pour laquelle je dis exorbitant. Écoute, tu le mérites et même plus. Rien n'est trop pour toi. Mais bébé, voici la clé de ta voiture. Il y a une voiture dehors et un chauffeur mis à ta disposition. Il t'emmènera où tu veux aller jusqu'à ce que tu arrives à bien conduire. Une voiture pour moi? Oui, une voiture pour toi.
voiture. C'est Charles. Charles? Quel Charles? Charles que tu connais. Et combien de fois je t'ai déjà dit de ne plus mentionner le nom de cet handicapé dans cette maison? Hein? Cet handicapé? Quand ce gars n'est pas celui dont tu penses. Il est l'enfant d'un milliardaire. Il reçut de l'argent. Ok. Maintenant, je sais que tu rêves. Oui. Ce n'est pas un rêve, grande sœur. Ok, attends. Laisse-moi te montrer quelque chose. Grande sœur, il m'a donné ce chèque. Tiens. Tiens, pour mon shopping. Ça, c'est 2 millions de naira. Non. Non, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. Il est le fils du chef Otumba Daniel, le propriétaire de Citibank, du magazine Skin, la société de gaz et du graphite, bref, plusieurs autres sociétés. Grande sœur, si tu vois la maison de ce gars, oh mon Dieu, je ne sais pas comment te l'expliquer. Il m'a même donné un chauffeur pour commencer. Et devine quoi? Je me marie dans 2 semaines. Non. Tu sais, tu dois m'amener chez cet infirme. Je veux aussi participer à ce rêve. N'importe quoi. Quoi ton chèque? Tu ne me crois pas toujours. Le tchat que je connais. Je t'amènerai là-bas. Tchat. Et si tu pourras voir de toi-même? Je veux aussi voir ça. Qu'est-ce que fais-tu avec mon chèque? Ferme ta bouche! Je dois personnellement aller là-bas faire ce retrait. Je dois aller à la banque faire moi-même ce retrait. Qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un faux? J'espère vraiment que c'est le vrai. C'est même encore quoi ça? Bienvenue. J'ai fait le retrait. Je t'ai dit que le chien n'était pas fou, n'est-ce pas vrai? Charles est réel. Bref, voici la somme d'argent que j'ai pu avoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le reste d'argent? Ferme-la. Oh mon Dieu. C'est tout ce qu'elle me donne. Madame, c'est par ici. C'est de ce côté. Attends. Yves. Oui, qui est là? Tu es sûr que c'est la maison de Chas? Oui, bien sûr. S'il te plaît, allons-y. Je suis venu accompagner cette dame. Ok, il est à l'intérieur. On peut entrer. Oui. Oh, ok, allons-y. Allons-y. Okay. Attends-moi. Hey, mon amour. Salut. Mon Dieu. Oh, chérie. Hey, arrête ça tout de suite. Ne veux pas m'appeler bébé. Arrête ça. Sinon, je vais faire appel à la sécurité et elle va te traîner hors d'ici. Chérie. Faut pas m'appeler chérie. Ok. Est-ce que c'est parce que nous avons eu ce petit malentendu?
D'accord. Je suis désolée. Je sais que j'étais désolée. Tu sais, ce sont des personnages de ton espèce dont on se moque souvent. Parce que tu ne peux pas faire la différence entre l'amour et perdu. Ce sont des filles comme toi qui donnent de mauvais noms à d'autres pleines de vertus et méritantes. Cause de votre amour pour les choses matérielles. Écoute-moi. L'amour est une belle chose. L'amour surpasse tout. L'amour est supposé partager la plupart des douleurs chez un être humain. L'amour est dans les actes et non au bout des lèvres. Et donc, l'amour est sacrifice. C'est ce que ta sœur assise ici m'a prouvé. Elle m'a montré que notre amour est réel et sans effrayance. Tu sais, je remercie Dieu pour la sagesse qu'il m'a donnée d'agir comme je l'ai fait. Sinon, j'aurais épousé la mauvaise femme et le regretterais toute ma vie. Merci Dieu que tu sois venu dans ma vie quand j'avais le plus besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Voici ce que je vais faire. Je vais parler aux ressources humaines et elles verront ce qu'elles peuvent faire. À présent, je ne peux rien faire. Oui, écoute, puis-je te rappeler plus tard, s'il te plaît? Oui. David, c'est lui qui me rappelle toi. Je suis supposé être avec ma famille. Oui, je te rappelle plus tard. D'accord, bye. Hé bébé. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es vraiment sûr? Alors, devine. Quoi? Juste essaie de deviner. Je ne peux pas imaginer, s'il te plaît. Vas-y, faut essayer. D'accord, laisse-moi essayer. Je ne connais pas. Ok. Chef Otumba Daniel veut te voir. Es-tu sérieux? Oui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oui. Es-tu prête à le rencontrer? Je suis si excitée. Tu es hâte, n'est-ce pas? D'accord, chérie. Juste assieds-toi. Je vais aller prendre ma douche. Et je suis à toi. Assieds-toi. D'accord. Voilà. D'accord, chérie. Juste un de plus. Oh, bébé. Un peu. D'accord, je reviens tout de suite. Prends soin. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mandy. Rappelle-toi la façon dont tu as dénigré ce même gars. Pense à toutes ces choses horribles que tu as dites sur lui. Et maintenant, tu reviens espérant que ce gars, ce même gars t'épouse. Es-tu en train de rêver? J'étais la première à sortir. Ça n'a pas d'importance. Ça ne l'est pas. Le fait reste que tu n'as jamais voulu être avec ce gars. Ta sœur l'a voulu et... Écoute, s'il ne m'épouse pas, il n'épousera jamais ma sœur. Ou alors nous deux, nous allons perdre. Ça, c'est la méchanceté. Laisse ce gars faire ce qu'il a envie de faire. En plus, c'est toujours la même famille.
qu'il épouse ta soeur ou qu'il t'épouse, c'est toujours la même famille. Non, ce n'est pas la même chose. Écoute, Chas doit juste m'épouser. Ou alors quoi? Que vas-tu lui faire? Oh, appeler les Eria Commanda pour lui, n'est-ce pas? Mandy, je veux que tu sois mature dans ce cas. Laisse ce gars et ta soeur tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ça, c'est le dernier conseil que je te donne en tant qu'une amie. Prends-le ou tu laisses. Merci. Juste Miss. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu. D'accord. Nous sommes prêts à accepter ça de vous, que cet homme épousera. Notre famille sera mieux. Et je serai le beau-père de l'un des hommes les plus riches de ce pays. S'il te plaît, Mandy, prends ça et c'est moi et laisse la faire. Donc, je suis la première personne chez qui l'aime. Nous avons juste eu un petit malentendu. Tonton est fort. Ça va. Écoute, Mandy. Puisque cet homme est amoureux de ta petite sœur et c'est elle qu'il veut épouser, laisse-la se marier. Ton mari aussi viendra. Tonton! Ça va. Fais juste ce que j'ai dit. Je ne veux plus encore entendre ceci, sauf le mariage. D'accord? Ça va? Tonton, ça va aussi.